C'est pas moi que vous voulez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on me... C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Petit bonhomme qui arrête pas de me suivre partout. Le petit bonhomme? Comment osez-vous? Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Un Oompa Loom quoi? Sachez qu'à Loompa Land, je suis un personnage de haute stature. On me surnomme le Colosse. Désolé. Mesdames et messieurs, bonjour à tous! Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par... Une théière. D'inventeur... Je vous présente le promeneur poiflomatique fou et fantastique de Willy Wonka. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier. Il fait les meilleurs chocolats du monde. Ouh. Il est doué. Trop doué. Tout le monde peut s'en offrir, même les... Les pauvres. Il ne supporte pas le mot pauvre. Vous allez lui passer un message. Ne vendez pas de chocolat dans cette ville. Ou vous aurez plus qu'une bosse sur la tête. Je n'ai aucune bosse sur la tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ne vous laissez pas faire par ces brutes. Fichez-leur votre poing dans la figure. J'ai une idée. On fait quoi alors? Du chocolat, bien sûr. Sauf qu'il faut... Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Je crois que c'est l'heure de changer le monde. Oompa Loompa Dumpedidi, je ne voyage pas à l'économie. Bonne nuit, je passe à l'horizontale. Qu'y a-t-il? Rien. Il y a quelque chose, puisque vous avez dit... C'est rien. Très bien. Vous recommencez. Dites-moi ce qu'il y a, sinon je vous assure que vous allez tâter de mon cure-dent. Monsieur, je comprends pas. Ça saute aux yeux, en effet. Mais je peux pas être calé. Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kuntz, vous le pouvez tout à fait. Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances.
Ils sont consignés. Monsieur Hanam. Bonsoir, Marie. Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait? Tu sais qu'il a fait ses études ici? Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh. Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine. La ferme, Tully. Vous venez de décrocher une retenue, jeune homme. Être ici avec vous, c'est déjà être en retenue pour l'éternité. Espèce de petit con, je vous rajoute une heure de colle. Vous croyez que j'ai envie de jouer les babysitters avec vous? Non, j'ai prié pour que votre mère réponde au téléphone, ou que votre père débarque en hélicoptère ou en soucoupe volante. Mon père est mort. Vous ne dites pas à un enfant qu'on a laissé en plan pour les fêtes de Noël que personne ne veut de lui. Ça tourne pas rond chez vous? Y'a personne ici, ok? Vous vous mêlez pas de mes affaires et je me mêle pas des vôtres. La plupart de vos élèves ne peuvent pas vous saquer, les profs non plus. Mais vous le savez, ça. Je trouve que le monde est compliqué et plein d'amertume et on dirait que le monde pense la même chose de moi. Je crois que nous avons ça en commun. Je ne crois pas avoir connu de vrai Noël en famille comme ce soir. Merci, Marie. De rien. L'histoire ne se réduit pas à l'étude du passé. C'est aussi une explication du temps présent. Quand vous parlez comme ça, avec un soupçon de pornographie, on comprend tout ce que vous dites. J'aimerais lever mon verre à mes deux improbables compagnons. Angus ! T'essaies de mater dans mon décolleté ? Non. Oui. Vous allez me faire virer. Ce sera votre Rubicon. Je vous interdis de franchir le Rubicon. Winter Break. Oh merde! Monsieur Adam! Le vélo, ça ne s'oublie jamais. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut. Écoutez. Ამდენი ფხმილი და შამფო. ეგრე იცი სუკაცობა. რამ გაგისია ეგ ტრაკი ზარბაზანი? მარტო რომ ვარ. და არავინ აღარ მჭამს. ეთერო ახა. შვიდობის დილაკონადეთ. იცი რა ლამაზი შაშვი და ვენახი. გამახვიცა, გამომაცოცხლა. შაშვი გოგო. შაბათს პირველზე მარშუტკას გამოყე. მეორე შესახვევთან გააჯერები. და იქ ვიქნები. არტო მინდა ვიყო. იმას ვაკეთებდე რაც მინდა, სადაც მინდა. Ο Τζιμουσόβερ, Κλασένιτς, Εγκοβάριτς, Σιωμαρουγκουλίτς. Εύκ να επισένει με όλοι. There's a word in Korean, 인연. It means providence or fate. Hae-sung! 와, 너다. 와. 와. 진짜 와다. 와. 와. Not really sure how to feel about it, son. And the way you move.
makes me feel like I can't live without you. 그냥 너랑 얘기하는 거. The guy flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까? 너는 나를 왜 찾았어? 한 번 더 보고 싶었어. If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyan between them. I want you to stay. Want you to stay. Dans un petit théâtre de Central Park, lorsque le rideau se ferme, les marionnettes prennent vie. Ça y est, les amis, on est tranquilles. Et voici Don, le rêveur de la troupe, qui aimerait découvrir le monde. Je voudrais rien qu'une fois être le héros. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Je lui donne 3 quarts d'heure, maximum. Non mais attends, je t'ai déjà vu. T'es dans la pièce de théâtre. Moi, je suis DJ Doggy Dog. Je suis DJ Doggy, je suis pas un pont. Mais mes amis m'appellent. Bah, en fait, j'ai pas vraiment d'amis. Et si tu venais avec moi? Vivant, brillant, vivant, quand on... Don, t'as entendu? Et comment? Quelqu'un semble courir un grand péril, et n'est-ce pas magnifique? Le monde va enfin être témoin de mon héroïsme! Ya, 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 wow. Ya. Le mec est complètement secoué, en fait. Ensemble, ils vont devenir de vrais héros. Mais où sont passés les autres? Ils ont été emportés par des voleurs. En avant! Soir, il y aura toujours un ami. N'ayez crainte, votre sauveur est arrivé. Et maintenant, qui est-ce qui va nous sauver? Imagination! Nous sommes des héros. Imagination! Que ce soit la plus belle performance de notre vie. Oh! Est-ce qu'on va mourir? Les légendes ne meurent jamais. Imagination! Les inséparables. Il y a des ratons laveurs, des petits gars qui me charrient et mon pote part en vrille, ça on l'a tous compris. Au cinéma le 13 décembre. Depuis que t'as rejoint BuzzFeed, tes dessins sont à chier. Ping! Pourquoi tu vas pas crever en enfer? Ne me juge pas, faut bien troller les trolls. Waouh! Tu peux me dire comment identifier ce pseudo? Tu crois vraiment qu'il y a un conte bizarre qui hante ton appart? Oh mon dieu! Il n'avait que 10 ans quand sa mère est devenue folle. Vous avez vu mon fils David, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut? Demandez-lui vous-même! Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux, c'est pas je le voudrais bien, c'est je le veux. J'ai été élevé à l'OM. Le projet était simple, c'était remettre le club au plus haut niveau et gagner la Ligue des Champions. C'était aussi simple que ça. Mais aussi compliqué que ça. On a été 3 années de suite jugé numéro 1 au classement européen. On aurait dû gagner 3 Coupes d'Europe. Nous, on a eu Benfica, la main de Vata, on a eu Bari, les pénaltys. T'as été vraiment le mec qui a été le plus malheureux à Bari, de loin.
c'était pas du cinéma. On avait créé quelque chose de familial. J'aime l'ambiance. Même aujourd'hui, après tant d'années, on est tous ensemble. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou. Coupe du Monde 98. Nous, à Marseille, on l'a vécu avant. Si tu devais partir à la guerre, tu partais à la guerre avec cette équipe de Café Express. Putain de Bernard Tapie, on nous aurait mangé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est Marcel Desailly au second poteau. Et but! But de Guali! On sort et on crie, et on parle fort. C'est cette période-là qui nous a appris à devenir comme ça. Fini les herbes de Paris! La joie ce soir! Les Marseillais peuvent se vanter d'avoir l'étoile. On n'est à jamais les premiers. Un smic par mois, s'il n'y a pas les soirées, j'ai 100 balles pour vivre. C'est grave ce que tu te permets de faire dans mon salon. Pardon ? Je veux 5000 d'ici la fin du mois, en cash et sans acompte, bien sûr. Putain. C'est les flics ou la caisse ? Mon agro à perdre. Je ne sais pas faire n'importe quoi. Police ? C'est toujours des plans bourbis, mais en fait, moi, j'ai quelqu'un là, dans le ventre, là. J'ai plus de taf, je crache à l'hôtel. Dans une semaine, si j'ai rien d'autre, je suis à la rue.